Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc rentre tout juste du travail, vous avez pu voir, il y a des tweets qui ont, sur Twitter évidemment. On a reçu un colis de la part d'Activision Blizzard, un colis assez important, donc vous voyez, il est ouvert dessus. On a été très curieux en fait avec Lady, on a été vraiment très curieux et du coup on l'a déjà ouvert. Donc voilà, on voulait vous faire la surprise, partager ça avec vous. C'est vraiment énorme ce qu'il y a à l'intérieur. Avant toute chose, je tiens vraiment à remercier Alexis qui nous a envoyé ce colis. Un grand merci à toi Alexis, cette année 2015 a été vraiment énorme pour nous. Et c'est grâce à toi, on a vraiment beaucoup voyagé, on a eu cette chance. Et tout ça c'est grâce à toi, donc vraiment un grand merci pour tout ça. Voilà, donc on va pas perdre de temps, on va l'ouvrir avec vous. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on l'a déjà ouvert avec Lady. Alors on n'a pas ouvert le contenu, mais on a ouvert le premier carton, voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc allez, je ne vais pas faire traîner trop la chose, vous êtes un petit peu impatient derrière vos écrans. D'ailleurs, vous voyez le petit bonnet PlayStation ici. Hop, allez, je vais enlever le petit papier blanc ici. Je vais enlever celui-là. Oh là là! Allez, je le sens. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient avoir ce genre de cadeau. Nous, c'est un peu Noël avant l'heure. Allez, c'est parti. Hop, donc voilà, on a reçu une PS4 édition Taken King, donc de la part d'Activision. C'est arrivé ce matin. Voilà, elle est vraiment magnifique. Donc allez, je vais l'ouvrir. Alors, le carton est ouvert, mais on n'a pas encore ouvert la console. Hein. Donc voilà, c'est ouvert. Donc vous voyez l'édition PlayStation 4, la blanche. J'ai jamais vu cette console encore auparavant, j'ai jamais eu l'occasion de la voir, donc je savais qu'elle existait. Mais c'est vrai que j'ai jamais pu la voir en vrai, hein. Je l'ai vu sur des photos évidemment, mais j'ai jamais pu vraiment toucher l'objet, etc. Donc là, c'est vrai que ça fait vraiment très plaisir. Allez, on ne perd pas de temps, on l'ouvre. Il faut enlever le gros carton qui est dedans, s'il veut bien venir. Hop! Alors, ce qu'on va faire... Si je vais poser ça derrière, hop, voilà. Tac, donc. Alors déjà, nous, on a deux PlayStation. Hein, on a déjà deux PlayStation, donc une chacun en noir. Et déjà, le carton a changé. Je sais que le carton n'était pas du tout comme ça. Il y avait une poignée à l'époque, etc. Là, il n'y a plus la poignée. Je me souviens de la poignée, ça m'avait marqué. Ça faisait un petit peu comme un PC portable, si vous voulez. Hop, allez, c'est parti. Alors, la console... C'est parti. Alors, il y a la console que je vais ouvrir par la suite. Là, vous pouvez voir également qu'on a reçu donc l'édition légendaire donc sur PlayStation 4, donc qui est dans le coffret évidemment. Donc, je pense que celui-ci, je vais voir avec Lady, mais je pense qu'on va vous le faire gagner sur Twitter. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore cet objet ou pour ceux qui projettent d'acheter une PS4, ça vous fera toujours ça, au moins acheter. Et je voulais juste attraper, je pense que c'est au fond, je galère un peu. Hop, voilà. Donc la manette, je voulais l'avoir. Tac. Donc la manette, elle est magnifique. Et il y a encore le petit film, je kiffe enlever ça. Donc voilà, elle est vraiment magnifique. Très très belle manette, donc je vais vous montrer parce qu'en plus, j'en ai acheté une il n'y a pas très longtemps. Ah, elle est pas là. Elle est juste ici, donc vous voyez, j'avais acheté celle-là il n'y a pas très longtemps parce que mes joysticks étaient morts sur l'autre. Et la blanche, vous voyez, franchement, elle est très très jolie en blanc. Hein. Vraiment, elle est magnifique. J'adore avec... là, c'est un petit peu plus gris. Un peu plus gris derrière aussi. Elle est vraiment très très belle. Donc vraiment, franchement, elle est magnifique. La manette, je l'adore. J'aime beaucoup les manettes de PlayStation 4. Elle va vraiment bien dans la main, je trouve. Et en blanc, elle est vraiment super jolie. Hop. Donc là, l'édition légendaire hein, qu'on fera sûrement gagner par la suite sur Twitter. Et la console, hop, tac, oh là là, elle est magnifique, oh regardez-moi ça les gars, elle est vraiment super jolie, regardez ça les gens, oh, elle est très, elle est magnifique, donc, on peut sentir le relief, donc elle est blanche, argentée, avec là, c'est le logo des gardiens, en fait, que vous retrouvez ici, en doré, et avec écrit Destiny, là-haut. Oh, elle est vraiment super jolie avec la manette, franchement, magnifique. Donc ça, c'est vraiment une pièce de collection. Il faut savoir qu'avec Lady, on commence à avoir quand même pas mal d'objets
collector sur Destiny, hein. Vous voyez là-bas les étagères, on a quelques objets qui traînent. Voilà, on a eu pas mal de t-shirts également, beaucoup beaucoup de t-shirts, des carnets, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment une chance inouïe pour nous d'avoir ce genre de cadeau. Franchement, ça va venir compléter la collection. On va dire qu'en gros, c'est la pièce qui nous manquait, tout simplement. Et franchement, un grand, grand, grand merci à Activision qui nous a envoyé ce cadeau. C'est Noël avant l'heure. C'est vraiment très gentil de votre part. Je ne sais pas comment vous remercier pour cette année 2015 qui est vraiment énorme. D'ailleurs, à ce sujet, avec Lydie, on va faire une vidéo rétrospective de l'année 2015 pour, voilà, pour repartager un petit peu tous ces moments qu'on a pu vivre avec vous. Et voilà, bah, là, j'ai envie de dire que l'année se termine vraiment en beauté avec cette PlayStation 4 qui va venir donc compléter la collection. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour du contenu sur Destiny, pour plein de vidéos de fin d'année. Prenez soin de vous. Tchuss !